Bonjour à tous. Les assises auront bien lieu les 25 et 26 mars 2023 dans le Rouennais. Plus exactement, au lycée agricole de Reyssin, à Nanda. Petit village situé à 10 km de Rouen. Des assises organisées dans un château, un immense parc, en plein monde rural. Cela changera des grandes salles d'événements. Une première? Je ne sais pas. Les équipes rouennaises vous proposent un programme sur 2 jours. Le samedi, conférenciers, table ronde, grands témoins, 9 ateliers et célébrations œcuméniques rythmeront la journée. La soirée, pour ceux qui le souhaitent, cocktail dînatoire et un spectacle seront proposés. Reyssin est un lieu vraiment magique qui ne laisse personne indifférent. Lors de sa venue, une fois votre arrivée, la voiture garée, vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider. Tout est sur place. Salle, réfectoire, chapelle, parc, loisirs pour les enfants, couchage pour ceux qu'ils souhaitent, nombreux animaux et même un magasin en vente directe de produits de la ferme transformés sur place. Le dimanche, on vous propose de vous rendre à 15 minutes à la Bénisson Dieu. Pour ceux qu'ils souhaitent, une marche du chemin de Compostelle, la portion Cluny-le-Puy. Puis la visite de l'éco-hameau. L'éco-hameau, c'est un collectif d'habitants qui souhaitent mettre en pratique l'écologie intégrale prônée par le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Unir spiritualité et écologie. Ensuite, une messe à l'abbaye. Et enfin, nous partagerons tous ensemble un pique-nique. Le thème, quelle confiance pour quelle croissance? Pourquoi les équipes rouennaises ont choisi ce thème? Eh bien, tout simplement lors de notre première rencontre ici même à Reyssin, pour cette préparation des assises, une phrase de Don Bosco est affichée sur un mur. Elle cite ceci: « L'éducation est une affaire de cœur et j'ai besoin qu'entre vous et moi règne une vraie confiance. » Reyssin est imprégné de vouloir faire vivre l'esprit de Don Bosco par cet esprit d'ouverture et de douceur de vivre qui y règne. Le mot « confiance » résonnait et revenait dans toutes les têtes des équipes, des participants. Mais il y avait un mail, on trouvait ce mot un peu sans originalité, rebattu, en gros un sujet banal, quoi. Puis en plus, en creusant, eh ben le thème « Quelle confiance pour quelle croissance ?» aidé par l'Esprit Saint, a pris forme. Alors j'espère que la feuille de route qui est en votre possession va vous permettre de bien réfléchir à ce sujet et vous inciter à venir nous rejoindre en Rouennais. Nous vous y attendons avec joie. Et si à la fin de ces assises, les participants repartent bien avec plus de confiance, ben nous serons tout simplement heureux. On voudrait, toute l'équipe de Rouennaise, vous remercier. Remercier particulièrement Guillaume, son bureau et Laetitia, avec leur aide très précieuse. Et puis bien sûr à Dieu qui permet de nous réunir.